nombreux mammifères, plus intelligents qu'aujourd'hui car l'homme n'était pas encore venu pour les effrayer, se trouvaient en abondance. Quand on dormira, il y en aura toujours un qui gardera les yeux ouverts et nous serons celui-là. L'utopie, c'est l'opium des simples, le grand gala des ravis de la crèche. Ah non, l'utopie, c'est l'avenir en mieux, comme me l'a dit un élève du lycée professionnel de Saint-Junien, et j'approuve absolument. Quand ce sera quand demain, la veille quand? Qu'on les dira cette fois pour les vivants. Les messes des morts, les mots d'enterrement. Oh, dis-moi donc, quand ce sera quand nos yeux seront ouverts vraiment. Quand on se dira que c'est pas si fou, plus tard son con au désespoir. Quand on se dira que c'est pas si fou, sans ménagement, le foutre au trou. Alors c'est l'histoire d'un pessimiste qui rencontre un optimiste. Alors bien sûr, le pessimiste commence à se lamenter. La situation est catastrophique. On ne s'en sortira jamais. C'est vraiment terrible. Ça ne pourrait pas être pire. Et l'optimiste lui répond, mais si. Vous êtes drôle, Pierre, parfois. Premier en folie, seront les derniers. C'est pas celui qui paraît dérangé, qui a grand besoin d'avoir tête plongée dans la machine à déperdiner. Dans la machine à déperdiner, quand la fève la voit sur la tête, un entonnoir pour avoir vraiment besoin de déperdinoir. Va-t'en. Ne reste pas à me regarder ainsi. Va-t'en. Ne reste pas.